بصفة لو صفة هذا مراني درزو ذي غرون روبس أمي التكلت أسباي ماني وما كان ذي مثل درسي ويليا السنة أنا مسلية في la transition c'est un peu à la mode, là, en vogue, on a une nécessité d'en parler, il est nécessaire d'en parler. Donc pratiquement, dans la région de Vgeith, la population, du moins ce qu'on peut considérer comme les gens intéressés par le changement de politique dans le pays, cette population a reçu beaucoup d'acteurs qui sont venus de l'extérieur, il y a des gens qui sont d'ici chez nous. Donc, pratiquement, l'université a reçu des gens comme Mustapha Bouchachi, comme Karim Tabou, comme certains d'entre nous, comme Zinati, Jamal Zinati et autres. Et tout le monde a pour souci d'expliquer cette étape très très importante qui est une qu'on désigne pratiquement par le mot transition. Donc alors on va essayer de discuter et de laisser un peu quelques trous comme ça pédagogiques pour pouvoir installer un débat. Alors transiter, la transition c'est tout simple, c'est passer d'un point à un autre. Donc, transiter politiquement c'est passer d'un système politique à un nouveau système politique. Donc sur le plan méthodique, l'analyse requiert donc de voir les trois points. Donc nous avons un point de départ qui est le système duquel nous voulons sortir. Nous avons un point d'arrivée sur lequel nous devons nous entendre. Quel est ce point d'arrivée? C'est quoi ce système que nous voulons instaurer? C'est quoi cette Algérie nouvelle? Et entre les deux points, il y a la transition. Et la transition, donc, c'est un cheminement, plus ou moins, si vous voulez, c'est pas géographique, mais c'est un processus qui nécessite des acteurs, c'est-à-dire des personnes, des gens, des institutions, qui nécessite des organes et qui nécessite une feuille de route, qui nécessite donc un état d'esprit ou bien une intelligence ou ce qu'on appelle une ingénierie qui va conduire donc la sortie du système initial, l'installation avec un certain agenda de plusieurs étapes, un jalonnement de plusieurs étapes qui va mener vers un projet. Et ce projet-là est à définir. Certains parlent de Deuxième République, d'autres parlent de Nouvelle Algérie et tout. Bon, on peut s'en tenir juste au mot République démocratique et sociale, tel que défini par le Congrès de la Soumam, qui est pratiquement la première matrice politique de ce pays. Et avec cette définition toute simple, qui on verra tout de suite là, dans l'analyse du système, comment cette définition a été édulcorée, puis pervertie, ensuite transformée, et par la naissance justement de ce système. Donc alors, je vais aborder avec vous trois moments. Nous allons parler du système algérien, le système politique algérien, avec son habillage, avec ses avatars, avec ses prétentions, entre guillemets, démocratiques et républicaines. Et nous allons nous entendre sur une méthode, comment nous projeter dans l'Algérie, la prochaine Algérie, bien la prochaine République, la République que nous voulons construire, c'est quoi cette République? Et la transition consistera dans un premier temps à essayer de traduire politiquement les slogans et les credos de la population au mouvement. Toute cette population algérienne dans les 48 wilayas qui est sortie et qui crie des slogans,
avec un slogan pivotal principal, c'est système dégage. Et puis tous les autres slogans tournent autour de ce credo, de cette intention-là affichée, qui est de dégager le système. Donc nous allons traduire les principaux slogans comme système dégage, comme Silmia, donc pacifiste. Itnahauga, qu'est-ce que ça veut dire? Bled bledna, diroraina, qu'est-ce que ça veut dire? Et le tout dernier qui est sorti, qui est chanté par pratiquement tout le monde, c'est Ben Salah Haray Harayah, Dimak Gaid Salah. C'est le slogan, c'est le tout dernier qui est sorti. Je parle des slogans partagés à l'échelle nationale, hein, parce qu'il y a des slogans localisés dans certaines wilayas qui essayent d'imposer une sorte d'identité locale à ce mouvement-là. Donc je vais commencer par une petite analyse des racines du système politique algérien. Alors en gros, je ne vais pas remonter au mouvement national, donc je ne vais pas remonter jusqu'à l'étoile nord-africaine, ce n'est pas un cours d'histoire. Je vais démarrer à partir de novembre 54. Donc alors novembre 54, 1953, c'est un survol justement pour planter un peu mes propres idées, comment je vois les choses. En 54, donc 1er novembre 54, la guerre éclate principalement dans deux régions, les Aurès et la Kabylie. Les autres régions ont été plus ou moins bougées, entre guillemets, par la Kabylie qui a envoyé des militants, qui a envoyé des kamikazes vers la Mitidja, d'autres vers le centre, etc. Cette naissance-là, donc, s'est faite au forceps, s'est faite difficilement. Et dès le départ, quand nous lisons la déclaration de novembre, nous constatons que les acteurs de novembre avaient un projet guerrier. Ils avaient un projet guerrier. Ils avaient un projet limité à la sortie du colonisateur. El Soufa, Français, Umbad El Walio. Nous dégageons la France, la force colonisatrice, ensuite, entre nous, on verra. Donc, dès ce démarrage-là, il n'y avait pas de projet de société. On voulait l'indépendance pour l'indépendance. On ne voulait pas l'indépendance pour instaurer l'égalité ou des trucs comme ça. Tout ça n'était pas au menu. Et immédiatement, ces jeunes qui avaient déclenché la guerre n'avaient pas de modèle social à copier. Donc ils se sont implicitement et sans doute inconsciemment rabattus sur le modèle jacobin français qu'ils voulaient dégager. Mais pour eux, c'était juste une opération révolutionnaire. Il fallait casser l'ordre colonial qui était arrivé au bout de toute la déshumanisation possible, les esclavagistes et tout ce que vous voulez. Donc ils n'avaient pas un projet. L'essentiel pour eux, c'était la survie et dégager la France. Donc ils se sont mis à suivre un petit peu, à rêver un petit peu de l'État jacobin français. Et vous connaissez tous plus ou moins l'histoire, vous savez ce qui s'en est suivi. C'était l'instauration immédiate de la vision unique, de la pensée unique, de l'élimination de tous ceux qui ne pensaient pas comme ces chefs-là qui ont instauré la guerre. Donc il y a eu un bain de sang dans les années 54-55. Il y a eu élimination de très très nombreux cadres qui étaient du mouvement national, ceux qui étaient proches de Messali Hadj. Il y avait certains qui voulaient monter des maquis indépendants.
Ils ont été sommés de rentrer dans les rangs du FLN, sinon ils allaient être zigouillés, et c'est ce qui s'est passé. Et arriva donc le congrès de la Soumam 56 avec Abban Ramdan et une équipe de penseurs, des gens qui allaient penser la révolution. Et ceux-là ont institué un projet. Ils sont sortis de cette vision guerrière. Ils ont dit, nous allons faire la guerre, dégager la France et instaurer une république démocratique et sociale où il n'y aura aucune discrimination. Ça, c'est la phrase dans le congrès de la Soumam. Alors, rapidement, Abban Ramdan a été liquidé en 57 et dans l'automne 57, le CNR, le Conseil national de la révolution algérienne, s'est réuni au Caire sous la houlette des services égyptiens. Et la première des choses qui a été faite, c'était d'inverser exactement les credos du congrès de la Soumam. Il était dit dans le congrès que la primauté était donnée aux politiques sur le militaire. Et dans la réunion du Caire, le quorum n'ayant pas été atteint, l'Assemblée a été renforcée par 10 colonels. Donc il y a eu le primat du militaire sur le politique. Dans le congrès de la Soumam, il était dit qu'il y avait le primat de l'intérieur sur l'extérieur. Ça s'est passé exactement inversement, c'est-à-dire qu'il y a eu, dans les faits, de juré et de facto, si vous voulez, l'instauration, la primauté de l'extérieur sur l'intérieur. Et je passe, donc il y a eu après le congrès de Tripoli, etc. Et c'est de cette date-là, de 1957, que, à Tripoli, les tenants de la militarisation de la révolution avaient infléchi l'ordre des choses et balayé les résolutions du congrès de la Soumam. Et à partir de 1957, il y aura, durant toute la guerre, l'inversement, le renversement de l'ordre des choses. Durant la guerre d'Algérie, au départ et avec le congrès de la Soumam, mais durant l'été 56 et toute l'année 57, avant cette réunion du congrès, avant cette réunion du Caire, le commissaire politique était le chef de l'officier militaire dans l'organisation ALN au FLN. Après la réunion du Caire, vers fin 57, début 58, les choses se sont inversées. Le commissaire politique est passé sous l'autorité de l'officier militaire de zone. Ça, vous lisez Harbi, il explique très bien cette inversion. Et c'est de là qu'est né le régime militaire algérien. Et l'armée s'est soumise le FLN, l'organisation FLN et l'organisation OCFLN, l'organisation civile du FLN. Et toutes les structures de la guerre sont passées sous la direction des militaires. Je vous passe entre parenthèses l'opération de la Bleuite, etc., etc. C'est pour vous dire comment le caractère militaire, quand il n'a pas, si vous voulez, quand il n'est pas soumis à une pensée et une direction civile, parfois il tombe dans des excès et parfois il se fait, entre guillemets, se fait avoir, comme dans cette histoire de la Bleuite où l'état-major local de l'ALN a décimé toute l'élite intellectuelle de la région parce qu'il avait été manipulé par les services français. Donc soit, je fais rapidement, 62, l'armée des frontières débarque, elle envahit, elle prend Alger, elle destitue le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est le gouvernement légitime, celui qui a négocié les accords d'Évian, celui qui a ramené le cessez-le-feu, elle le met de côté et elle prend le pouvoir avec un habillage civil en mettant Bembella à la tête de l'État. 3 ans après, le même Bembella a été évacué. Mais pendant, en 1962, quand l'armée des frontières a débarqué,
a pris la capitale, a pris le pays, en éliminant évidemment toutes les poches de résistance des wilayas intérieures, en éliminant les opposants politiques. Les uns ont été assassinés, les autres ont été exilés. Ceux qui ont tenté de monter des partis d'opposition, comme Boudiaf qui a monté le PRS, Parti de la Révolution Socialiste, et Aït Ahmed Hussein Aït Ahmed qui a monté le FFS, ceux-là, ils ont été mis. Donc, vous connaissez le maquis du FFS en 63, Aït Ahmed il a été exilé, Karim Belkacem il a été par la suite assassiné, Khidar, etc. Donc, toute l'opposition a été décimée. Et le colonel Boumediene, qui entre parenthèses n'a jamais tiré un coup de feu contre la colonisation française, et s'est auto-proclamé donc le Néron, le despote, le chef du pays. Et ce qu'il y a d'intéressant à connaître pour expliquer la crise d'aujourd'hui, c'est qu'en 62, il y avait dans les bagages de l'armée des frontières, il y avait ce qu'on appelait le MALG, le ministère des armées des liaisons générales. C'est, si vous voulez, ce sont les services de l'armée des frontières, les services de renseignement. Donc, en 62, quand ces services sont rentrés, il y avait 15 000 cadres dans ce ministère des liaisons générales. Alors que les autres ministères avait 5 ou 6 cadres chacun formés. Mieux que ça, c'est que juste après l'indépendance, notamment après le coup d'État de 65, Boumediene va envoyer en URSS et dans les démocraties de l'Est, dans les pays de l'Est, satellites de l'URSS, il va envoyer quelque chose comme 25 000 candidats à la formation auprès du KGB. Donc, alors, ces gens-là qui ont été formés, dont l'un est très connu, c'est Qasdi Merbah, qui il a été après le chef de la sécurité militaire, le lieutenant Boumediene, qui devient par la suite le colonel et le général, je ne sais plus quoi, Toufiq, qui est le chef du DRS de 90 à 2015. Alors que Qasdi Merbah, c'était la période d'avant, chef de la sécurité militaire. Pour vous dire que dans cette armée des frontières, il y avait ce qu'on appelle maintenant, un peu pompeusement, l'état profond. L'état profond, pour ne pas dire les services de sécurité. Et les services de sécurité étaient la colonne vertébrale du système politique algérien. Et Boumediene a fabriqué un système qui n'a existé que durant la Seconde Guerre mondiale chez les Allemands et plus tard un peu chez les Russes, c'est le système de la doublure politico-sécuritaire. C'est quoi? Je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre très vite. Vous allez à la wilaya de Bouji, au mois de mai. Alors, la wilaya de Bouji est appelée à aider la direction de l'éducation pour réaliser les examens scolaires. Alors, le directeur de l'éducation est convoqué à la wilaya. Il aura deux réunions. Il aura une réunion logistique avec le wali apparent, le wali que vous voyez, que nous voyons tous, avec sa voiture, il sort, sécurité, les sirènes et tout ça. Le directeur de l'éducation va se réunir avec ce type-là et son secrétariat. Ils vont s'occuper des tables, les écoles qui vont être mobilisées, l'eau, l'électricité, la logistique, le transport des candidats, la restauration des surveillants, etc. Ensuite, le même directeur de l'éducation va être convoqué par un autre wali invisible, que vous ne connaissez pas. Il s'appelle le DOPS, le directeur des opérations de prévention et de sécurité. Lui, il s'occupe du vrai. Le transport des sujets, les listes de surveillants à expurger des syndicalistes, des bonhommes qui troublent un peu le truc. Ils ont des listes. Et ce DOPS-là, quand le directeur de l'éducation va se présenter là-bas avec ses brochures et tout, il va convoquer les autorités
de l'État les plus importantes. Il va convoquer le colonel de gendarmerie et il va convoquer le colonel de police. Il va leur donner des ordres comme s'il s'agissait de ses subordonnés. Là où nous voyons la réalité du pouvoir. Donc on a affaire à un pouvoir le même. De l'extérieur, nous avons la wilaya. Mais quand on approche dans le fonctionnement, nous avons un wali apparent et nous avons un wali réel. Ce wali réel, dont je parle tout à l'heure, je parlais tout de suite, s'occupe aussi des élections. Ce n'est pas le wali que vous voyez qui s'occupe des élections. Il va s'occuper des boîtes, des centres, de l'eau, de l'électricité, etc. Mais la procédure électorale, les boîtes électorales, etc., c'est l'autre qui va s'en occuper. C'est pour vous dire comment le système boumedieniste a été construit. Et dans ce système-là, bon, comme Boumediene voulait instaurer un État, il a créé l'État de son armée. Comme dans certains pays, on crée l'État pour la société. L'État, c'est quoi? C'est un ensemble d'institutions articulées qui fonctionnent au service de la société. Boumediene a créé un État au service de son armée. Au point où, pour faire partie de la responsabilité de l'État, il faut toujours, jusqu'à présent, subir une enquête de la police militaire. Vous voulez devenir, par exemple, directeur d'une banque d'État. Vous êtes soumis à une enquête de la sécurité militaire, actuellement dite DSS ou bien DRS. Si vous n'avez pas l'avis favorable, vous ne serez jamais directeur de cette banque. Quand bien même vous serez le meilleur financier du monde. Ce n'est pas la compétence, mais c'est l'allégeance. Mieux que ça, il fut un temps, jusqu'à 90, avec l'apparition du multipartisme un peu spécieux, il y avait un article pour être responsable dans ce pays d'un quelconque échelon, il fallait émarger au FLN. Il fallait avoir la carte du FLN. Car c'est l'article 120 du code de... Il fallait avoir la carte du FLN, il fallait passer l'enquête de la police politique pour pouvoir être chef d'un souk al-flah ou bien d'un hammam, ou bien, pour peu qu'il soit propriété d'État. Vous voyez un peu la nature de ce système. Et jusqu'à présent, quand nous entendons système dégage, la population a besoin d'éclairage. Le système, ce n'est pas uniquement le système apparent. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que la tête de l'iceberg. C'est un peu le rocher à Achilles. Mais à l'intérieur de l'eau, il y a l'état profond. Et cet état profond, c'est lui qui, en ce moment, résiste et organise ce que nous dénommons la contre-révolution. C'est-à-dire qu'il organise l'inertie, il organise les fake news, il divise quoi, de façon très simple, il divise pour régner. Diviser pour régner. Alors c'est la division horizontale, spatiale, division géographique, parfois ethnique, division... De genre homme-femme. Maintenant, il y a une nouvelle division qui est sortie. C'est la division verticale. C'est la division, entre guillemets, généalogique. Vous avez 20 ans, vous êtes trop jeune. Vous avez 50 ans, vous êtes trop vieux. Vous avez 35 ans, vous n'avez pas beaucoup d'expérience politique. Donc, c'est saucissonné. La société est saucissonnée, coupée en tranches d'âge. De façon, donc c'est une manière de diviser cette révolution qui a surpris beaucoup de monde. Cette révolution, contrairement à ce que certains appellent le miracle,
Moi, je n'ai pas tellement de penchant religieux. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat de l'accumulation des luttes populaires, des luttes sociales, des luttes politiques. Des Algériens se sont sacrifiés, des Algériens sont morts, des jeunes ont donné leur vie pour faire juguler ce système-là. Et maintenant, grâce à cette génération des réseaux sociaux, contre laquelle le système ne peut rien, parce que l'information circule, le partage se fait très vite et le système n'a pas adapté ses instruments de répression. Donc il a été pris de court comme tout le monde, même nous, les élites, ceux qui réfléchissent entre guillemets à la société, tout le monde a été pris de court par cette fulgurance de l'apparition de la société sur l'espace politique. La population s'est réappropriée l'espace politique qui lui a été enlevé depuis des décennies. Et depuis qu'elle s'est appropriée cet espace politique, il y a eu une intelligence collective qui a émané du frottement de toute cette population, les échanges extrêmement rapides grâce aux nouvelles techniques de communication, les réseaux, les blogs, les images, beaucoup d'images, beaucoup d'émotions qui est mise en fonction pour mobiliser les gens. Donc tous les paradigmes du système ont été balayés. Et émergence donc de cette nouvelle force qui entend imposer la souveraineté du peuple. Qui entend imposer la souveraineté du peuple. Alors, cette situation-là, ce système-là, on pourrait parler toute la nuit de ce système, mais je voulais juste illustrer un peu la difficulté que nous avons maintenant, pourquoi il y a toute cette inertie et comment se fait-il que ce système résiste. C'est parce qu'il a, une partie qui est invisible. Ce système, il a une partie qui est invisible, qu'on ne voit pas comme ça à l'extérieur. Nous voyons la police, nous voyons la gendarmerie, nous voyons les sirènes, nous entendons les sirènes, on voit un peu les administrations et tout, mais le fonctionnement interne, cette ambivalence, cette dualité, cet accompagnement parallèle d'un pouvoir apparent qui est contrôlé par un pouvoir invisible, Cette nature du système politique algérien n'est pas perceptible par tout le monde. Évidemment, manque d'informations et puis il n'y a jamais eu vulgarisation sur ce problème-là. On ne connaît pas vraiment la nature du système. Au point où, je peux m'avancer un petit peu, depuis 1990 avec l'avènement des nouveaux partis politiques, à ma connaissance, il n'y a pas encore un parti politique d'opposition qui a fourni l'analyse de la nature du système. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas un parti, peut-être que c'est une lacune, je ne connais pas. Si vous en connaissez, peut-être dans le débat, on verra. Je connais les statuts du RCD, je connais ceux du FFS, je connais ceux de la gauche, de l'extrême gauche. Mes points d'analyse du fonctionnement du système. Même Hidiloun, comment ce système est né, comment il s'est militarisé, comment il fonctionne, comment il s'est assujetti la société. Et mieux, surtout, un volet très très important, c'est que cette armée des frontières a mis la main sur toutes les légitimités. Et le discours invariable qu'on entend encore maintenant de la bouche de Gaïd Salah, c'est que l'armée nationale populaire ANP est l'héritière légitime de l'ALN. Grand point d'interrogation, est-ce que réellement l'ANP est l'héritière légitime de l'ALN? Est-elle née de l'ALN ou alors a-t-elle grandi à l'extérieur et qu'elle est venue usurper les légitimités historiques, la légitimité symbolique et, si vous voulez,
la légitimité de tout le combat et au-delà de 54, donc tout l'héritage du mouvement national, cette armée a mis la main dessus et avec un discours socialisant dans les années 60, 62, 63, avec l'autogestion, un rapprochement de l'époque avec la Yougoslavie de Tito, ensuite par la suite, si vous voulez, une sorte de redressement, on a créé une sorte d'anarchie comme ça pour laisser souffler la population, puis l'armée reprend la main avec le coup d'état de 65 et instaure une discipline de fer. Les personnes aussi âgées que moi se souviennent de la fameuse police militaire, MP. Dans les rues d'Alger, Constantine, Bougie, vous rencontrez des colonnes de 3 à 4 soldats avec un casque qui écrit MP, vous ne voyez pas leur tête, ils avaient une matraque. Si pour votre malheur vous leur coupez la route, ou bien vous avez une veste, vous avez acheté à la fripe une veste militaire, ils vont vous tabasser jusqu'à la mort. Il y a eu un jeune qui a été tué à la gare de Bougie. De cette manière-là, il avait porté une veste qu'il avait achetée dans le marché de fripe. C'était une veste militaire kaki. Ils lui ont demandé de l'enlever, il n'avait pas bien compris, il a mal réagi. Ils lui ont tombé dessus, El Migmouth. Il est mort à la gare de Bougie. C'est en 1967. C'est un jeune d'armée. C'est une parenthèse. Pour vous dire que comment ce système-là a mis la main sur toutes les légitimités. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que cette mainmise sur la légitimité symbolique s'est accompagnée de crimes contre l'humanité qu'aucun peuple au monde n'a vécu. Le colonel Boumedine a caché le cadavre du colonel Amirouche et du colonel Sekouas. Pourquoi, selon vous, a-t-il caché ces cadavres? C'est pour usurper la légitimité symbolique. Parce que si le colonel Amirouche avait une statue à Alger en 1963-62, le colonel Sekouas, la même chose, tous les autres colonels, ils auraient eu leur statue un peu partout dans les régions, la légitimité n'était pas prenable. Elle reviendrait au peuple, elle serait visible. Donc ce colonel-là, on n'a jamais vu ça, la Stasi allemande, il n'y a pas eu dans l'humanité un cas pareil, à ma connaissance. C'est peut-être que du temps des pharaons, je ne sais pas, peut-être que ça a existé, ou là du côté de, sous l'Empire romain, ou là sous les Tatars, les Gengis Khan, ou des trucs comme ça, je ne sais pas, mais... Chez nous, en tous les cas, dans l'histoire, notre histoire contemporaine, c'est un fait qui est passé comme ça, mais qui est très, très, très significatif de la nature de ce pouvoir. Où, yani, jusqu'où peut aller ce pouvoir pour s'accaparer la rente historique. Par la suite, il va la doubler de la rente économique, et va la tripler avec la rente islamique. Et ce régime-là, il va asseoir sur ce trépied l'histoire, la religion et la rente pétrolière. Et il va perdurer. Évidemment, il a fait des petits élèves. Le colonel Boumedine a fait des petits. C'est pas au sens biologique. Bouteflika était son élève, qui par la suite va s'avérer être l'élève qui dépasse le maître. Depuis 1999 à ce jour, jamais nous n'avons vu, dans l'histoire du tiers-monde du moins, quelqu'un qui a été aussi bien servi par les circonstances du marché mondial, qui a engrangé 1000 milliards de dollars de rente pétrolière. D'après les chiffres officiels de l'État algérien, son système, on a dépensé 680 milliards. Et sur les 680 milliards, les instituts internationaux de lutte contre la corruption ont placé la barre à 40% de corruption. Donc 4 fois 7, 28. 280 milliards de dollars
qui est une corruption visible. Sans parler de la dissipation de la manne pétrolière par des artifices que les économistes et les financiers maîtrisent beaucoup. Donc ce système-là est arrivé au bout de ses contradictions. Il est arrivé au bout de ses contradictions. Comment ça? Quand l'élève Bouteflika a voulu réviser le cahier de Boumedien. En tournant les pages, il s'est rendu compte que l'état profond lui échappait. Et il s'est mis à crier comme un enfant à qui on a enlevé un bonbon. Je ne veux pas être un trois quarts de président. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne veux pas être un trois quarts de président? Ça veut dire qu'il y a trois quarts de la décision politique qui lui échappe. Alors il va déployer une énergie incroyable pour déplacer les centres de décision vers sa responsabilité personnelle. Donc il va tenter de casser les services dont je parlais tout à l'heure, l'état profond, il va les émietter, les déchirer et ramener un peu le noyau de ces services à la présidence de la République. Et l'autre noyau, il va le mettre sous la houlette de l'état-major général, alors que ces services étaient distincts de l'état-major général depuis très longtemps. D'ailleurs, on les appelle sous le sobriquet les malgaches, malgues, ministère des armées des liaisons générales. Les survivants de ce ministère-là sont encore là, il y en a beaucoup, ils ont constitué une association qui s'appelle les Malgaches. Et cette association-là a tiré la sonnette d'alarme il y a 5 ans, lors du 4e mandat, en disant, attention, la lutte des clans, donc je cite, la lutte des clans, va emporter le système global. Je ferme les guillemets. Ça, c'est les anciens du MALG qui avaient tiré cette sonnette d'alarme. Et actuellement, c'est ce qui se passe. C'est l'une des plus grandes victoires, ou bien la première victoire de la révolution citoyenne, de la population qui est sortie. Elle a exacerbé les contradictions entre les clans du pouvoir. Et une bataille rangée est en train d'être livrée entre les anciens du Malg dont je parle, à leur tête Toufik, Tartag et autres, contre l'état-major général de l'armée qui est entouré des 7 régions militaires. Voilà la bataille qui est en train d'être livrée. Et durant le temps où Bouteflika était au 4e mandat, il était pratiquement inerte, il est grabataire, inopérationnel, etc. C'était une clique de la présidence qui dirigeait le pays. Pendant ce temps-là, il y a eu des liens qui s'étaient tissés entre les anciens services, notamment de Toufik et de Tartag, etc., avec ce que Gaïd Salah désigne par les forces anticonstitutionnelles, à savoir Saïd Bouteflika et son entourage. Et cela, d'après les lectures officielles, ce groupe-là a tenté de renverser le Gaïd Salah et s'accaparer et reprendre l'initiative politique à son compte. Évidemment, ils se sont livrés la bataille, et dans toutes les batailles, il y a un vaincu et un vainqueur. Et chez les vaincus, parfois, il y a des gens qui se trompent d'appréciation, donc ils s'alignent avec les vainqueurs, croyant qu'ils vont gagner, et qui se retrouvent avec eux en prison ou exilés au Lahj. Donc c'est un peu le résumé de ce système. Alors ce système, il a créé donc le primat de l'armée. L'armée a créé son propre État,
économique qui s'accapare la rente pétrolière. C'est eux qui dépensent la rente comme ils veulent. Ils ont créé leur propre justice. C'est une justice aux ordres, ce qu'on appelle la justice du téléphone. Une justice qui est soumise à l'exécutif. Dans tous les pays dits démocratiques, il y a les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, et il y a l'indépendance des uns et des autres, et la justice n'a pas à obéir à l'exécutif. Chez nous, c'est une justice qui est dirigée par l'exécutif. Le Haut Conseil de la magistrature, son président, c'est le président de la République. Et en son absence, c'est le Premier ministre qui... c'est le ministre de la Justice qui fait office de président. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun magistrat qui peut être libre de quoi que ce soit. C'est-à-dire que tous les textes de la justice algérienne font que cette justice obéit à l'exécutif en place, c'est-à-dire au président et à... Et vous continuez, vous connaissez plus ou moins toutes les déviations de ce système qui a atteint, si vous voulez, son seuil de contre-productivité. C'est-à-dire il est arrivé à un niveau où il ne peut plus gérer ses propres contradictions. L'une des grosses contradictions visibles comme le nez sur la figure, c'est la corruption. Tout le monde dans le monde, tous les États montrent du doigt l'Algérie. L'ambassadeur de France, le dernier, a déclaré que jamais de l'histoire de la colonisation, de l'indépendance, etc., on a vu un aussi fort taux de corruption, et une corruption qui n'est pas restée dans le monde de la finance. C'est devenu une corruption symbolique. C'est une corruption humiliante pour la population. Arriver à offrir un cheval à un cadre, jamais dans l'histoire humaine ça ne s'est déroulé. Ça ne s'est jamais fait. Le président incarné par une photo, on lui offre un pur sang, un cheval de course. On lui offre. Et sous les caméras, les you-you et les applaudissements, arriver à ce niveau le qualificatif, c'est une humiliation symbolique de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Algérie, la souveraineté, elle est souillée dans de la vase, la l'Arloumelous. Et toute l'accumulation de ces bévues, de ces erreurs, de cette hougara de la population, a fait émerger un certain 16 avril, ici, pas loin de chez nous, une population qui est sortie. Une semaine après, c'est le raz-de-marée national dans toutes les wilayas. Et cette fulgurance a surpris pas mal de monde. Donc maintenant qu'on connaît ce système qui a spolié, qui a perverti, qui a détourné, qui a usurpé toutes les souverainetés et qui a créé une population assistée et une population addicte, accoutumée à l'assistanat, une population qui arrive à revendiquer le couffin de Ramadan. Alors que l'Algérien en 62, il était connu dans le monde pour être Zawali ou Fhel. Au bout de 58 ans, il est devenu Markanti ou Arkhis. Il se plie, à des choses inimaginables. On n'aurait jamais imaginé un Algérien, avec toute sa fierté, aller faire la queue pour qu'on lui remette un couffin. Et vous connaissez la dernière. Quand l'État, dans son indigence, dans sa pauvreté intellectuelle, a voulu faire du politique sensationnel, supprimons le couffin de Ramadan, mais ils n'ont pas prévu de le remplacer par quelque chose pour signifier la pauvreté d'un citoyen qui va demander ce couffin. Et on a sorti le certificat d'indigence, de pauvreté, qui était un document de la colonisation française. Et on l'a sorti en 2019.
Vous voyez où cet état, dans quel rapport de mépris il est avec sa population. Alors, quel que soit notre niveau de soumission, quel que soit notre niveau, il arrive un moment où il y a une réaction instinctive. C'est une réaction quasiment animale, c'est irréfléchi, c'est réflexe. On réagit contre l'humiliation. Et dans notre culture kabyle, je ne vous apprends rien du tout, quand on parle de deux personnes, une personne qui a battu une deuxième, ils se sont bagarrés pour sauver la dignité de celui qui a perdu dans la bagarre. Il y a, dans la sémantique, ce régime-là n'a même pas cette finesse. C'est un régime brutal, à la Néron, c'est un régime despotique unique au monde. Malheureusement pour nous, il a été servi par la rente pétrolière. Vous imaginez, en 20 ans, 1000 milliards de dollars entre les mains de ces types-là qui nous dirigent. 1000 milliards de dollars, et vous savez, les économistes savent que 1000 milliards de dollars, ce n'est pas un stock, c'est un flux dynamique. C'est-à-dire, si vous avez 1000 milliards, au bout d'un mois, vous allez en produire quand même une bonne partie. Il suffit de les mettre dans une banque quelque part et vous avez au moins 10%. Et donc, c'est un flux d'argent, c'est pas uniquement un stock comme ça qu'on gère de façon thésaurisée. C'est de l'argent qu'on fait fructifier. S'il y avait eu une bonne gestion de cette manne pétrolière, elle aurait été transformée en investissement productif. On serait sorti de la rente pétrolière. On serait sorti de l'économie rentière. Mais l'économie rentière, c'est une économie qui a un visage politique. On ne veut pas sortir de l'économie rentière. Parce que l'économie rentière, c'est l'assise sociale, économique, symbolique, si vous voulez, de l'oligarchie politique qui nous dirige. Ceux qui nous dirigent dans ce pays sont liés au marché international par l'import-export. On peut dire l'import-import, export est vraiment insignifiant. On importe et on joue. Évidemment, la surfacturation, toutes les techniques sont connues, les comptables, s'il y en a parmi vous, on connaît l'ancienne technique de la RRRO, remise, rabais, ristourne obtenue, donc qui renvoie à la surfacturation et aux remises en dessous de table, etc., etc., ouverture des comptes offshore et tout ça. Bon, ça c'est un autre discours. Toujours est-il que si, d'ailleurs, le Cambodgien a disparu, ceux qui ont suivi par la suite Chadli avec son équipe, quand ils nous lançaient ce fameux slogan « Pour une vie meilleure » et qu'on nous a acheté des frigos, on nous a acheté des petits appareils électroménagers, et puis là, les gens se disputaient, on faisait la queue devant les souqlflah pour acheter un frigo, pour acheter une télé, une tabouna, etc. Pendant cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les monopoles d'État qui représente la souveraineté de l'Algérie sur le marché extérieur, sur le commerce extérieur. Les monopoles qui étaient chargés du commerce extérieur ont été détricotés, déconstruits, et cette souveraineté est passée entre les mains d'une bourgeoisie privée. D'où est-ce qu'elle est venue, cette bourgeoisie privée? C'était d'abord une bourgeoisie d'État qui dirigeait tous les appareils, toutes les ces sociétés-là, SNS, SNREPAL, SN, etc. C'était l'époque où on disait ça sonne partout et ça ne répond pas. C'était SN, SN. Toutes les sociétés commençaient par SN, Société Nationale. Toutes ces sociétés-là avaient enfanté une bureaucratie qui était surpayée, qui était hors échelle, qui a construit une bourgeoisie. Et ce sont les enfants de cette bourgeoisie d'État à qui on a offert les monopoles du commerce extérieur et qui sont devenus actuellement milliardaires. De la bouche de Bouteflika, en 99, quand il est arrivé, dans son deuxième discours, il a dit que jamais l'Algérie n'a connu un aussi haut, un aussi fort taux
de corruption, où c'est un pays où il a dit ça, il a dit, donc c'est un pays où 15 généraux se partagent le commerce extérieur. Et je vais mettre cette fin à cette corruption. Et on a vu, il y avait 150, il y avait ces 15 généraux, maintenant il y en a 150, je crois, ou quelque chose de plus. Donc c'est un échec de ce point de vue-là. À chercher vraiment les profondeurs de ce système, nous arriverons à imaginer un système qui ne va pas refaire cette... c'est pas des erreurs, mais c'est des déviations, des dérives, des fautes très graves. C'est de la trahison de la souveraineté nationale qui s'est déroulée dans ce pays. Et on va imaginer un système, donc, vers lequel nous allons transiter. Et la meilleure technique de l'élève qui ne connaît pas ou bien du mauvais élève, c'est de copier. Vous allez à l'école, quand vous n'avez pas appris la bonne leçon, vous jetez des coups d'œil sur le voisin pour recopier un petit paragraphe. Nous, qui n'avons jamais connu de république dans ce pays, qui n'avons jamais connu d'état de droit, nous avons entendu parler d'expériences de transition chez nos voisins. La transition tunisienne est plutôt réussie. Entre guillemets, il y a des choses à revoir, mais du point de vue des Tunisiens, mais de notre point de vue, nous avons vu comment ils ont opéré. La transition au Portugal, c'est une expérience très très enrichissante. La transition espagnole, avec une charte de transition, c'est une véritable école. La meilleure, c'est la transition de l'Afrique du Sud, qui est passée d'un système raciste d'apartheid vers un système démocratique. Vous allez me dire, sous la direction de Nelson Mandela, oui, c'était pas n'importe quoi. Mais c'est une transition, c'est une école de transition, c'est une véritable école de transition. Vous jetez l'œil. L'expérience des grandes nations démocratiques, les États-Unis, l'Allemagne, la France, elles ont connu historiquement un moment où elles ont installé un processus constituant, ce qu'on appelle une transition, vers l'instauration d'une démocratie, avec leur propre formule et leurs propres originalités. Mais dans la quintessence, dans la nature de cette transition, nous avons beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que, pour imaginer le système vers lequel nous allons cheminer, nous allons écouter la population.